Alors, bonjour, chers amis. Aujourd'hui, on va travailler sur l'unité 4, la leçon 2. Que veut dire avoir une faim de loup? Que veut dire avoir une faim de loup? Alors, qui a la réponse? Oui, qui a la réponse, les amis? Alors, avoir une faim de loup, c'est avoir faim. Avoir très faim. Trop faim. Alors, donc, en bon français, quand on dit j'ai une faim de loup, ça veut dire que j'ai très faim. Alors, ici, on va écouter et dire le numéro et l'animal. On va dire le numéro et l'animal. On regarde bien l'image. Regardez bien. On a 6 cases, d'accord? On va écouter et dire le numéro. Leçon 2. Que veut dire avoir une faim de loup? Activité 1. Écoute, dis le numéro et l'animal. Exemple. Il a très faim. C'est le numéro 1. C'est le loup. C'est. Elle a une très bonne mémoire. C'est. Il est malade. Il a beaucoup de température. C'est. Elle a peur. Elle a froid. C'est. Alors là, on va réécouter encore, d'accord, pour trouver le bon numéro. Leçon 2. Que veut dire avoir une faim de loup? Activité 1. Écoute, dis le numéro et l'animal. Exemple. Il a très faim. C'est le numéro 1. C'est le loup. Très bien. Alors, il a très faim. C'est le numéro 1, c'est le loup. Elle ne peut pas parler. C'est. Elle ne peut pas parler. C'est qui? Regardez bien. Qui a quelque chose dans la gorge? Avoir un chat dans la gorge. D'accord. Avoir un chat dans la gorge, c'est avoir quelque chose dans la gorge qui nous empêche de parler. D'accord? Parfois, on a quelque chose dans la gorge. Par exemple, quand on devait tousser. D'accord? En bon français, ça veut dire avoir un chat. J'ai un chat dans la gorge. C'est ça. Elle n'a pas très faim. C'est. Alors, elle n'a pas très faim. Regardez bien. Oui, le 5, avoir un appétit d'oiseau. Alors, quand on dit en français, avoir un appétit d'oiseau, c'est quelqu'un qui n'a pas très faim. D'accord? On n'a pas quelqu'un qui a vraiment... Voilà, qui... Regardez la forme d'un oiseau, il est tout petit. Donc, avoir un appétit d'oiseau pour un être humain, c'est vraiment ne pas avoir faim du tout. D'accord? Elle a une très bonne mémoire. C'est... Alors, elle a une très bonne mémoire, c'est, regardez bien, avoir une mémoire d'éléphant, le 2. Regardez. Alors, quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant, c'est une personne qui n'oublie rien. C'est une personne qui se souvient de tout, qui se souvient des choses qui sont passées depuis très longtemps, mais cette personne les garde là dans sa mémoire. Alors, quand on dit « j'ai une mémoire d'éléphant », ça veut dire que on n'oublie rien, on se souvient de tout. Il est malade. Il a beaucoup de température. C'est... Regardez bien. Oui, le 4. Avoir une fièvre de cheval. Donc, avoir une fièvre de cheval, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fièvre. D'accord? Quand on prend la température. Alors, on prend la température avec quoi? Oui, Ryan. On prend la température avec quoi? Avec le... Oui, Ritej, on a le thermomètre.
on a le thermomètre avec lequel on prend la température. On met le thermomètre sous l'aisselle et on prend la température quand on a de la fièvre. D'accord? Donc, avoir une fièvre de cheval, c'est faire beaucoup de fièvre. On a le numéro 4. Elle a peur. Elle a froid. C'est... Alors, elle a peur, elle a froid. On a le 6, avoir la chair de poule. Donc, quelqu'un qui a peur, qui a froid, il a la chair de poule. Vous remarquez, la chair de poule, parfois, c'est sur notre peau. Ça vient comme des petits boutons. Oui, on a froid en même temps. Et ça sort sur la peau, regardez. Sur la peau, là, comme ça, là. Des petits boutons qu'on ne peut pas casser juste une ou deux secondes. Et après, ces petits boutons rentrent. D'accord? C'est ça. On a froid et on a peur en même temps. Donc, on dit en français, j'ai la chair de poule. Est-ce que vous avez compris, mes amis? Très bien. Alors, le 2, on va écouter, montrer et répéter. Activité 2. Écoute, montre et répète. Elle a une mémoire d'éléphant. Il a une faim de loup. On montre qui a une faim de loup. C'est le loup. Elle a un chat dans la gorge. Elle a un chat dans la gorge, c'est qui? On regarde bien. Il a une fièvre de cheval. Il a une fièvre de cheval, on remarque, c'est qui? C'est le cheval. Elle a un appétit d'oiseau. Elle a un appétit d'oiseau, regardez bien. Sur la table, c'est qui? C'est l'oiseau. Il a la chair de poule. Il a la chair de poule, regardez bien, c'est qui? C'est le poulet. Alors là, on va, l'exercice 3, on va écouter et apprendre la poésie. Comme les animaux, d'accord? On écoute et on va apprendre ensemble la poésie, d'accord? Comme les animaux. Quand j'ai une faim de loup, je mange beaucoup de tout. Je mange beaucoup de tout. Quand j'ai un appétit d'oiseau, je ne mange qu'un abricot. Quand j'ai une fièvre de cheval, je me sens mal. Quand j'aurai une mémoire d'éléphant, je me souviendrai de ma vie d'enfant. Alors, on va écouter encore, d'accord? Ensemble, on va répéter. Comme les animaux. Quand j'ai une faim de loup, je mange beaucoup de tout. Quand j'ai une faim de loup, je mange beaucoup de tout. Tout. Quand j'ai un appétit d'oiseau, je ne mange qu'un abricot. Quand j'ai un appétit d'oiseau, je ne mange qu'un abricot. On répète. Quand j'ai une fièvre de cheval, je me sens mal. Quand j'ai une fièvre de cheval, je me sens mal. Quand j'aurai une mémoire d'éléphant, je me souviendrai de ma vie d'enfant. Quand j'aurai une mémoire d'éléphant, je me souviendrai de ma vie d'enfant. Alors, très bien, les amis. Là, on va prendre notre cahier d'activité, d'accord? Le livre blanc. Alors, on prend la page 42. Regardez bien. Que veut dire avoir une faim de loup? On écoute et on relit les animaux. Regardez, on a une image et on a plusieurs animaux, d'accord? Regardez bien les animaux. On va écouter et on va relier les animaux. Un animal à un animal, mais on doit bien écouter d'abord, d'accord? Leçon 2. Que veut dire avoir une faim de loup? Activité 1. Écoute et relis les animaux.
L'éléphant. Le chat. Alors, on relie l'éléphant au chat. L'oiseau. On relie le chat à l'oiseau. Le crocodile. Le crocodile, on relie. Le lion. Le lion. La poule. La poule. Le perroquet. Le perroquet. Le loup. Le loup. Le serpent. Le serpent. Le singe. Le singe. Le cheval. Le cheval. Alors, on va réécouter encore. Donc, on prend notre crayon. On va relier chaque animal à un autre. D'accord? On écoute bien encore. Leçon 2. Que veut dire avoir une faim de loup? Activité 1. Écoute et relis les animaux. L'éléphant. Le chat. L'oiseau. Le crocodile. Le lion. La poule. Le perroquet. Le loup. Le serpent. Le singe. Le cheval. Alors Manal, tu as terminé. Montre-nous ton dessin. Oui, Islam, est-ce que tu as terminé? Montre-nous ton dessin. Ezaf Sarah, montre-moi ton dessin. Bravo. Alors, bravo à toute la classe. Bravo à vous. Ryan, Fatim Zahra, Islam, bravo. Alors, on va regarder l'exercice 2. On observe et écrit les noms des animaux suivants. D'accord, regardez bien. Ici, dans le rang, on a l'éléphant. Regardez bien comment on écrit l'éléphant. Regardez bien. Les noms sont en haut. On a le cheval, le chat, l'oiseau, la poule, le loup et l'éléphant. Donc, observe et écris le nom des animaux suivants. Donc, on va écrire éléphant. Regardez, E, accent aigu, L, E, accent aigu, P, H, A, N, T. L'éléphant. Alors, le chat. Regardez là-haut comment on écrit le chat. Regardez. On va écrire le chat ici. Le C, H, A, T. Et on écrit dans la case à côté le chat. Très bien. Alors, ici, on a l'oiseau. Regardez comment on écrit l'oiseau là-haut. Regardez bien. D'accord? On a L apostrophe. Dans la première case, on écrit O, I, S, E, A, U. Et on écrit, oui, L apostrophe, l'oiseau. Très bien. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a la poule. Regardez bien comment on écrit la poule. On écrit P, O, U, L, E. On écrit à côté la poule. Là, qu'est-ce qu'on a? Oui, qu'est-ce qu'on a les enfants? Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est le cheval. D'accord? C'est pas là. On va barrer là, on va écrire le cheval. C, H, E, V, A, L. On écrit à côté le cheval. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien l'image. On a le loup. Donc, on écrit L dans la case O, U, P. On écrit à côté le loup. Très bien. Alors, qui a terminé? Qui a terminé? Lève le doigt. Qui a terminé? Oui, Didi Hassan Riyad. Nada. Qui a terminé? Oui, Ryan. Moustakim Amin. Oui, Medamine. Manal. Qui a terminé? Hassan Riyad, tu as terminé. Item. Oui. Qui d'autre a terminé?
JN, qui, Ryan, Islam. Très bien. Alors, le 3, li, entoure, la bonne réponse ou complète et dessine. On a 3 choses à faire. Regardez. On va lire déjà. En haut de chaque image, on doit lire. On doit entourer la bonne réponse. D'accord? Ou on va compléter aussi. Et on va dessiner ensuite. Donc, l'image 1, je mange beaucoup. J'ai une faim de loup ou d'éléphant, les enfants. Oui, quand on mange beaucoup, on a une faim de loup. Très bien. Donc là, on va dessiner un loup, oui, dans la première case. Le 2, je ne peux pas parler. J'ai un chat ou un lion dans la gorge. Tout à l'heure, on a dit, quand on a quelque chose qui nous empêche de parler, comment on le dit en bon français? On a un chat dans la gorge, d'accord? Donc, on va dessiner un chat ici. Très bien. Le 3, je ne mange pas beaucoup. J'ai un appétit d'oiseau ou de poule. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai un appétit d'oiseau. Très bien. Alors, on dessine un petit oiseau là dans la case. Le 4, je suis très malade. J'ai une fièvre de cheval ou d'éléphant. On se rappelle qui avait la fièvre. C'était qui? On a une fièvre de cheval. Très bien. On va dessiner le cheval ici. J'ai froid. J'ai la chair de... Oui, quand on tremble, on a peur et on a froid. Qu'est-ce qu'on a? On a la chair de poule. Alors, on dessine la poule ici. Alors, lis les phrases, le 4, et complète la poésie comme les animaux. On a écouté la poésie tout à l'heure. On va compléter. Regardez bien. Je me sens mal. Je mange un abricot. Je mange beaucoup de ma vie d'enfant. Regardez, quand j'ai... On a un loup ici en train de manger un gros poulet. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi il mange un gros poulet? Parce qu'il a faim. Alors, quand j'ai faim, n'est-ce pas? Je mange beaucoup. Très bien. Alors, la deuxième image, qu'est-ce qu'on va dire? Quand j'ai un appétit d'oiseau, je mange un abricot. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui, quand j'ai une fièvre de cheval, je me sens mal. Très bien. Alors, je me souviendrai. Alors, qui se souvient? Qui se souvient? C'est qui? C'est quel animal? Alors, on va dire, j'ai une mémoire d'éléphant. Très bien. J'ai une mémoire d'éléphant. Je me souviendrai de ma vie d'enfant. Super. Alors, on écrit. Alors, mes amis, on a terminé. Ce que je vous demande maintenant, de faire vos exercices et de me faire une vidéo, de m'envoyer une vidéo de votre travail sur WhatsApp. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des questions, moi, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer des audios ou des vidéos. Je suis à votre entière disponibilité. Merci bien et à la séance prochaine. Allez, bien de choses. Au revoir les amis. À bientôt.